J'ai découvert le mécénat de compétences. C'était des valeurs qui me parlaient, notamment de solidarité, de partage, d'aller donner du temps pour une association ou pour une entreprise. Je suis chef de projet dans le service qualité et transformation et je suis Florence Sportouche. J'arrive un petit peu en avance pour préparer ma salle. Elle a lieu un petit peu en sous-sol, pour que ce soit bien lumineux, j'éclaire tout, je prépare. J'ai un petit temps d'échange avec ma référente qui me dit, ben voilà, aujourd'hui ils seront 5. Avant qu'ils arrivent dans la salle, on a un temps d'échange avec eux. Et ensuite, je pars avec les 5 personnes et on va s'installer. On fait connaissance. Comment ça va ? J'utilise l'animation de groupe que j'utilise dans mon travail en tant que chef de projet. C'est un temps très solidaire et de partage. Donc chacun partage aussi ce qu'il est et c'est assez riche aussi de cette manière-là. Ça donne beaucoup de sens. Quand je suis arrivée chez Carton Plein, c'est l'accueil qui était vraiment très positif. Ce qui m'a marqué, ça s'est fait naturellement, comme si j'étais là depuis très longtemps dans l'association. Il y a beaucoup d'écoute. Je peux comprendre parfois certains salariés qui me disaient « Ah, mais comment tu as fait pour t'organiser ?» Il ne faut pas avoir peur d'y aller pour des raisons de temps de travail. Ce n'est pas un frein. Il faut surtout être dans l'engagement. Je pense que quand on s'engage vis-à-vis de ces associations, c'est la valeur la plus importante, c'est la valeur de solidarité et d'engagement. Et c'est le moment de regarder son entreprise autrement. Je recommande totalement. 'Carton Plein, le but de l'association, en fait, c'est de faire de l'insertion sociale et professionnelle pour des personnes qui sont à la rue ou qui ont été à la rue ou qui sont en très grande précarité et qui ont été en privation d'emploi sur une longue durée. Donc c'est un projet d'inclusion sociale et professionnelle assez fort et assez engagé. Alors les cartons sont tous récupérés en vélo cargo et on collecte des entreprises, des particuliers. Donc on va les contrôler, les déscotcher, voir s'ils sont encore en état d'usage et ensuite on va les faire passer en boutique. Et donc là après, soit les clients viennent les récupérer sur place, soit on va les livrer directement chez eux. Alors avec Paris Habitat, on a eu deux soutiens. On a eu un soutien financier. La deuxième partie, c'est du mécénat de compétences. L'avantage là, pour nous, sur ce mécénat de compétences, c'est que c'est des choses qu'on n'aurait pas forcément fait ou qu'on n'a pas forcément le temps de faire. Voilà, ça permet de faire d'autres choses que notre routine habituelle dans nos ateliers. C'est un temps de qualité qui est passé sur d'autres moments. Alors avec Florence, ça a été vraiment la simplicité. Donc je dirais que c'est ça la première chose qu'on recherche. Donc pour le coup, pour nous, Florence, elle apporte vraiment ses capacités créatives. Et elle s'installe dans l'atelier. Et puis voilà, là on voit que ça se passe très bien. C'est simple et c'est convivial. Donc ça, pour nous, c'est qualitatif et c'est vraiment ce qu'on recherche. Comme Florence, venez nous rejoindre pour une mission solidaire, vivante, conviviale, dans laquelle on passera de bons moments et sur laquelle on vous accompagnera. Merci beaucoup et on vous attend.